Salut tout le monde, c'est moi, l'Asiatique francophone qui habite aux États-Unis et bienvenue sur la vidéo inaugurale de ma nouvelle chaîne de basketball. Alors, comme j'ai déjà dit, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de commencer une nouvelle chaîne et tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un saut maximal vertical ou un saut vertical maximal sans élan. Alors, je vous dis avant tout que depuis les 2, 3, même 4 derniers mois, en fait, je me suis blessé. J'ai eu des blessures de dos en fait musculaires et comme on dit en anglais c'est du spasms, ça fait très mal et donc j'ai pas en fait fait des séances de saut. Alors me voilà de retour, je vais m'y reprendre un peu plus lentement. Le maillot que je vais porter aujourd'hui, Johnson de Charlotte. Alors pour certains d'entre vous qui sont un peu plus âgés comme moi, j'ai 43 ans, qui ont grandi pendant les années 90 et qui ont visionné la NBA, Larry Johnson était l'un des joueurs basketteurs les plus populaires de cette décennie-là. Et voilà, c'est la raison pourquoi j'ai décidé en fait de faire cette séance saut en honneur. Bien sûr que je suis un adolescent en fait. J'étais adolescent pendant les années 90 et donc ça me fait vraiment plaisir de donner hommage à mes héros de basket de cette décennie-là. Et aussi, je voudrais aussi vous présenter une chaussure. Alors, cette chaussure-là, je l'ai achetée d'occasion sur eBay, sur Internet. Et donc, elles sont franchement pourries. Mais le fait que cette chaussure est tellement très, très rare, est tellement, comme on dit, coveted, c'est une chaussure qui est vraiment désirée par beaucoup de gens, que c'est quasiment difficile à les acheter sur Internet, sur le site web de Nike. C'est très rare, bien sûr, qu'il y a la technologie. C'est très difficile de m'en procurer et malheureusement la seule façon que je me suis procuré ce genre de chaussures, c'est sur Internet et réalistiquement d'occasion. Donc elles sont très bien usées, quelqu'un les a portées avant moi et franchement c'est un peu crade mais j'adore la chaussure, cette chaussure-là, Air Jordan 6 Black Infrared, énormément que je l'ai acheté en forme d'occasion. Alors, petite séance, tout ce que je vais faire, c'est des saut maximal vertical sans élan et je vais en faire à peu près 10. Comme j'ai déjà dit, je vais m'y reprendre un peu plus lentement parce que j'ai été blessé. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Voilà, je suis crevé, j'ai mal au bras. Et franchement, je me suis pas très bien échauffé. En fait, je me suis quasiment pas échauffé. Je reviens direct de mon travail. Bien sûr que dans mon travail, je suis très actif, mais mes muscles censés en fait à m'aider à me propulser verticalement, elles sont pas échauffées. Et donc, voilà, rien d'autre à dire. Je suis hyper content de recontinuer le petit sport que je me suis créé pour moi-même, le saut vertical maximal sans élan. Comme j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos et dans mes vidéos précédentes, c'est le fait que j'utilise le saut dans le contexte de basket pour améliorer ma santé. Alors, je vous inspire à vous tous de trouver une passion qui va vous continuer à vous garder en bonne santé. C'est pas obligé d'être le basket, mais pour moi c'est le basket et c'est tout. C'est rien d'autre à dire parce que c'est une toute petite séance, littéralement que 10 sauts
et c'est tout. Alors, bien, merci de m'avoir accompagné tout le long de cette vidéo. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur like, partagez-la avec vos amis et je vous revois la prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao.